Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, il est 6h du matin. Regardez-moi ça. Et je vais faire quoi à 6h du matin? Je m'en vais faire de la dératisation des égouts, du réseau pluvial, dans une petite ville qui fait à peu près entre 6000 et 7000 habitants. J'ai 26 km de réseau à traiter. Donc c'est une mairie qui m'a demandé ça. La veille, je suis allé faire tous les bâtiments communaux, c'est-à-dire le service technique, la mairie, les écoles, de la dératisation en prévention. Et là, je vais traiter les égouts. Je pars là-bas et je vous reprends. A tout à l'heure. Bon, voilà les Dédés. On va commencer l'intervention. Regardez-moi ça, le petit véhicule avec le gyrophare. Hein? Voilà, on est dans une rue. Donc là, il y a un pluvial. Voilà, le pluvial, il est là. Donc on va contrôler ça. Voilà, on contrôle la pâte. Vous voyez, il est un peu grignoté, donc on va le changer. Allez, on va lui mettre un bloc. Et après, on le rejette dedans. Il est accroché par la cordelette et pas de risque qu'il s'échappe dans les égouts. Et les rongeurs viennent manger ça. Et après, quand on a fini, il faut mettre un petit coup de bombe. Juste que pour que le client sache que ce réseau a été traité. Bon, ouais, petite pause chocolatine, et en même temps, pendant la pause, on regarde la petite vidéo du copain Étienne qui pose ses petits pièges à frelons. Allez, je finis ma pause et je reprends le travail. À de suite. Pourquoi je fais une dératisation de la ville?
Alors pourquoi? Parce que les rats vivent dans les égouts, dans les réseaux pluviales. Donc c'est pour cette ville, ne me demandez que les réseaux pluviales. Parce qu'ils se sont aperçus il y a quelques années qu'il y avait beaucoup de rats qui sortaient des réseaux, qui se retrouvaient dans les jardins. Comme maintenant les gens ils sont équipés de composteurs et de poulaillers, donc automatiquement dans les jardins, ça attire les rats. Depuis quelques années, la mairie demande à une société de traiter. Moi, ça fait la deuxième saison que je travaille avec eux, donc je suis content. J'espère que cette vidéo vous plaît, ce genre de vidéo vous plaît. Je voulais vous montrer un autre aspect de mon travail. Donc, toutes les mairies ne le font pas. Je ne pense pas que c'est une obligation de le faire pour une mairie, de faire la dératisation de la ville. Mais quand il y a beaucoup de problèmes de réseau, surtout là, on est sur une petite ville de 6 à 7 000 habitants, donc ça commence à faire un peu de monde. Petit pouce bleu. Bon, c'est un peu physique, hein. Faut admettre, c'est un peu physique, se baisser, lever les plaques. Mais bon, c'est quand même pas désagréable à faire. C'est mieux les frelons, c'est sûr. Faut faire attention à la circulation. Voilà les Dédés, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu ce petit chantier de dératisation pour une mairie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt les Dédés.